Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter Repeater, c'est un délai par D16 Group. Donc on se retrouve directement sur le site de D16 Group où vous pouvez trouver ce VST au prix de 89 €. Donc c'est un délai qui est relativement complet puisqu'on peut émuler pas mal de styles de délai différents qui ont été créés durant l'histoire moderne de la musique. Ça va aller du cassette tape en passant par le délai digital. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Il est extrêmement flexible, facile à utiliser et on va aller voir ça dans Reason. On peut le trouver aussi sur le shop de Plugin Boutique, toujours au même prix, sauf que là, lorsque vous allez acheter le petit délai, si vous avez un compte, vous allez gagner un petit peu de sous. Donc maintenant, on se retrouve dans Reason où j'ai préparé une petite boucle toute simple. Voilà, c'est quelques accords, le délai dessus et une batterie. Donc j'ai utilisé le repeater sur le VST TAL V2 Uno Helix. Donc c'est une émulation du Juno. Ensuite, pour mon kick, j'ai utilisé le Punchbox de chez D16 Group. Et j'ai une caisse claire et des charlets que j'ai mis dans DNN19. Donc maintenant, on va revenir à notre repeater. On va faire un petit tour de l'interface. Donc on a un préampli qui va nous permettre d'augmenter le son de la source en 30. Ensuite, on a la partie synchro. Donc soit on peut être sans synchronisation, soit on a un bouton tap pour taper directement le rythme et donc ça va synchroniser au tempo mais avec l'horloge du VST, ou alors on va se synchroniser directement au tempo du séquenceur haute. Ensuite, on va avoir la partie délai qui va nous permettre de gérer le délai sur l'oreille droite et l'oreille gauche. Donc on va avoir la partie, on va dire, time signature qu'on peut linker pour les deux oreilles, c'est-à-dire qu'on va les joindre. Dès qu'on va tourner un des boutons, les deux vont bouger en même temps. Ensuite, on a l'écran qui va nous indiquer en fait les données qu'on est en train de bouger. Par exemple, là, je suis en 1/32e au niveau de la vitesse d'exécution du délai, 1/16e. Donc, ça va nous rapporter toutes ces différentes informations. De l'autre côté, on va avoir le bouton feedback qu'on peut linker aussi. Donc pour l'oreille droite et l'oreille gauche. Pour défaire les lignes, il suffit de cliquer directement sur la petite diode et ensuite chaque réglage devient indépendant. En dessous, on va avoir en dessous l'écran le bouton pour le ping-pong, le bouton analogue, un petit switch pour le spread, donc pour jouer sur la largeur stéréophonique, des boutons d'inversion de phase par canal, donc un pour le canal droit, un pour le canal gauche. Ensuite, on va avoir une section filtre avec un high pass et un low pass filter pour le canal droit et pour le canal gauche. Bouton color, donc pour ajouter une certaine coloration au son quand il passe dans le processeur. Donc pareil pour le canal droit et le canal gauche. Ensuite, on a la gestion des pannings pour chacun des deux canaux qui peut être linké ou délinké. Donc en fait, tous les paramètres qu'on a cités peuvent être joints pour travailler ensemble au niveau des réglages ou alors indépendamment pour chaque oreille. Ensuite, on a un bouton mix, pareil, qui va être pour le canal droit ou pour le canal gauche. Et enfin, on va avoir le
volume de sortie de l'effet. Donc il est vraiment très propre, facile à utiliser. Il y a pas mal de presets. Donc comme d'habitude chez D16, donc là on va voir le bouton des options, le nom du preset. Ensuite, on va avoir l'équivalent des flèches pour aller en avant dans les présélections, en arrière et faire apparaître le browser. Donc au niveau browser, il y a largement de quoi faire. Il y a pas mal de presets. On va pouvoir utiliser cet effet sur des voix, sur des claviers, sur quasiment tous les types d'instruments qu'on a envie. Ça va nous permettre de donner un du mouvement, de l'amplitude, puisqu'on va pouvoir gérer le spread. Donc on va jouer sur l'image stéréo. Enfin bref, c'est vraiment pas mal. Donc si on prend le synthétiseur seul, ça donnait ça au départ. Là, l'effet, je l'ai mis directement sous la section master. Donc en fait, il va apparaître dans mes sends ici, puisque il va intervenir sur mes Shirley et sur le Juno. Donc là, si je le remets en marche, ça va me donner ceci. C'est très musical, hein, il n'y a rien à dire. Quels que soient les presets, on peut faire vraiment des choses pas mal. On l'entend aussi sur les hi-hats. Donc le bouton color va permettre de donner une très belle coloration au son. C'est vraiment très bien fait.
Bien sûr, en appuyant sur la touche contrôle, vous allez avoir accès à la sauvegarde de votre nouveau preset. Donc là, il me suffit de changer le nom. Je vais mettre un petit 1, hop, sauvegarder. Et voilà, ici, j'ai le nouveau preset que je viens de modifier en partant d'un preset existant. On a aussi la possibilité d'assigner des contrôles en MIDI pour chacun des paramètres. Tout est vraiment très bien fait. Donc sur ce bouton-là, en appuyant sur la touche contrôle, on a accès aux paramètres du dessus et en normal aux paramètres du dessous. Donc là, je réinitialise tout, le délai est revenu à zéro. Là, si je veux juste étoffer mon son. Bouton mix pour laisser passer le son avec l'effet mélangé au son sans effet. Thank you.
Voilà pour cette petite présentation du Repeater Vintage Model Delay. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez avoir le VST soit sur Plugin Boutique ou directement sur le site de DCS Group. DCS Group, c'est une marque que j'affectionne particulièrement puisqu'on peut avoir accès à pas mal de modules vintage de très bonne qualité. J'ai déjà fait pas mal de revues sur leurs produits. Donc après, c'est à vous de tester et de voir si ça vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est cool pour le référencement. Pensez aussi à laisser des commentaires si ce type d'effet vous intéresse. Pour le soutien de la chaîne, les liens sont directement dans la description. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut!